Hortus Focus. Hortus Focus. Hortus Focus présente. Les nains de jardin. Voilà un sujet polémique. Il y a ceux qui les aiment, ceux qui ne les aiment pas, ceux qui les voient, ceux qui ne les voient pas. Et au milieu de tout ça, il y a ceux comme Anne de Rouze qui les fabriquent. Notre fantaisie ne peut pas plus être plus grand que l'univers. Mais je pense pour moi-même que chaque réalité, chaque idée a son propre réalité. Alors, j'ai déjà rencontré des gens qui ont vu des nains de jardin. Ils sont transparents. Moi, je ne peux pas dire que je les ai vus. Je peux dire que moi aussi, je devrais passer une frontière pour accepter quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai pour moi. Alors, je pense que c'est bien de toujours rester un peu ouvert. Mais je les fais en argile. Après, je les donne des couleurs. Alors, argile, je cuis, je donne des couleurs, je cuis. Et après, je fais encore une patine, que ça a un peu l'air que c'est vieux, au fond. Mais alors le vert, la couleur vert c'est chrome, le bleu c'est un peu le cobalt. J'essaie de trouver les couleurs dans les nains de jardin, de les retrouver dans la nature. Aussi, on m'a demandé, parce qu'au début je ne faisais pas des nains femelles, parce que le symbolique de nains de jardin c'est masculin et c'est lui qui fertilise la terre. Alors la terre est féminine au printemps. Il y avait quelqu'un, un homme, dans cet jardin ici. Il m'a expliqué, alors le barbu, c'est la connexion avec la terre, et le pointu, le chapeau pointu, c'est ce qu'on retrouve plein dans les cultures, alors le cardinal ou le pape, alors ça c'est la connexion avec le ciel, hein, avec l'esprit, avec...